Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Émile a emmené Merlin se promener. Ils vont rendre visite à Albert dans la boutique de magie. Bonjour, Émile. Est-ce que tout va bien là-bas au port des flots bleus? Tout va très bien, je vous remercie. Nous avons juste un léger petit problème. Demain, c'est la fête de l'été au port des flots bleus et notre montreur de marionnettes s'est décommandé. Et je me demandais si vous pourriez venir nous faire un spectacle de magie. Oh, bien sûr, avec grand plaisir. Cela me changera. Je reste enfermé toute la journée dans le magasin. C'est vraiment très gentil. À demain, Albert. Et voilà, tout est arrangé. On y va, Merlin? D'accord, prêt à lever l'ancre. Elle était longue comme ça et de cette largeur-là. Je n'avais jamais vu une sole pareille. Terminus, Merlin. Tu descends? Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Je dois préparer la fête de l'été qui a lieu demain. Donc, tu vas être un bon toutou et rester gentiment couché devant ta niche. Je suis toujours un bon toutou, moi. Quand j'aurai terminé, on rentrera chez nous. Et je ferai cuire des saucisses, d'accord? Des saucisses! Youpi! C'est mon plat préféré! Oh, Émile, vous voici enfin. Comment ça s'est passé avec Albert? On ne peut mieux, monsieur le grand. Albert viendra demain nous donner un spectacle de magie. Fantastique, fantastique! Un spectacle de magie, on ne pouvait rêver mieux. Hein? Waouh! Un spectacle de magie! J'adore la magie! Aboie Merlin. Je croyais t'avoir demandé de rester près de ta niche. Tu as oublié? Allez, va vite. Nous avons beaucoup de travail. Bonjour Merlin, qu'est-ce que tu fabriques? Demande Mousse. C'est la fête de l'été demain. Il va y avoir un spectacle de magie, mais je n'ai pas le droit d'y participer. C'est parce que tu es maladroit, tu gênerais tout le monde. Mousse a raison. C'est pas vrai! Proteste Merlin. De toute façon, je peux me faire mon propre spectacle de magie. Très drôle, je voudrais bien voir une chose pareille. Merlin a une idée. Il pourrait utiliser son collier magique pour monter son spectacle de magie. Mais le problème est qu'il ne se rappelle jamais comment fonctionne son collier. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour faire marcher mon collier. Alors, qu'est-ce que ça donne, monsieur le grand? Oh, ce n'est pas mal du tout, pas mal du tout. Je vous aiderai volontiers, vous savez, mais avec mon mal de dos... Son mal de dos, oui. Tandis qu'Émile et monsieur le grand décorent le port pour la fête de l'été, Merlin s'installe dans un endroit tranquille afin de faire marcher son collier.
Merlin ferme les yeux et se concentre très fort. Je voudrais un spectacle de magie maintenant. Mais rien ne se passe. Merlin décide de courir après sa queue. Donne-moi un spectacle de magie maintenant. Oh, ce collier doit être cassé. Si seulement j'avais un spectacle de magie. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Ça a marché. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter Merlin, le petit chien magique, et son extraordinaire spectacle de magie. Ouais, merci. Mon premier tour de magie va consister à faire flotter cette balle orange dans les airs. Ce qui s'est passé. Mais je vais exécuter mon prochain tour et faire sortir un gentil petit lapin de ce chapeau. Hein? Où suis-je? Mais tu n'es pas un lapin. Ah, pauvre chien sans cervelle, je te l'avais dit que tu étais maladroit. Mousse avait raison. Oh, misère. Ça ne marche pas très bien. Il faut que je leur montre mon meilleur tour. Un volontaire pour monter sur scène. Oh, oh, c'est toi, Oscar? Oui, en chat et en os. Ronronne Oscar. J'ai une envie folle de te rendre encore plus ridicule que tu ne l'es d'habitude, face de tarte au camembert. C'est alors que Merlin a une idée pas très gentille. Il pourrait faire disparaître Oscar. Ce tour de magie sera le dernier, mais le meilleur. Vous allez voir devant vos yeux tout étonnés disparaître quelqu'un. Oh, je meurs d'envie de voir une chose pareille. Oh. Bonjour, toi. Ravi de te rencontrer. Je dois avouer que tu es absolument magnifique. C'est drôle, ça. J'allais justement te faire le même compliment. Flûte et double flûte, ça ne marche pas. Je voulais que tu disparaisses et maintenant vous êtes deux. Mes félicitations, Merlin. Je dois t'avouer que j'adore ce tour-là. Moi aussi. Moi saucisse. Ah! Oh, c'est vraiment épouvantable. Je n'ai plus envie de donner un spectacle de magie. Si seulement je pouvais être au port des flots bleus. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Pouh, je suis de retour. Ce souhait était un vrai cauchemar. Ah, te voici, toi. Piaille-mousse. Albert, n'arrête pas de te chercher. Le spectacle de magie va bientôt commencer. Chers amis, je vous remercie d'être tous là pour assister à mon spectacle de magie. Comme tout premier tour, je vais faire disparaître mon assistant Oscar, le chat. Mesdames et messieurs, n'essayez pas ce tour chez vous. Moi, je suis un professionnel. Bien, qui est volontaire pour m'aider à faire disparaître Oscar? Personne? Merlin? S'il te plaît? Non, merci. Aboie Merlin. J'ai eu assez de magie pour aujourd'hui. Et un seul Oscar le chat me suffit bien assez comme ça. Oh oui.